Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme promis dans ma précédente revue, le grand barbu et moi-même allons vous expliquer aujourd'hui donc comment dissocier Orion Pax d'Optimus Prime de la gamme Power of the Prime. Voilà. Donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Alors avant de commencer cette petite revue, donc je tenais à remercier du fond du cœur mon ami Fred, voilà, qui m'a fourni les pièces nécessaires donc pour réaliser ce custom, et sans qui, bien évidemment, je n'aurais pas pu réaliser cette opération chirurgicale. Donc merci mon petit copain, merci mon Fredo, merci à toi, vraiment, tu as assuré comme un chef, donc je te bise très très fort. Voilà, donc pour commencer cette opération, donc vous allez avoir besoin de quelques pièces de Lego. Alors notamment pour Orion Pax, de ces pièces-là. Alors j'espère que vous allez bien les voir. Je vais essayer de faire un petit focus dessus. Voilà. Donc un petit bricolage qui ressemble à ça. Pour Optimus, malheureusement, il manquait deux pièces de type méga bloc. Donc, mon ami Fred, étant un adepte du Lego, n'avait pas ces pièces à me fournir. Hein, puisque, bon, c'est vrai que les collectionneurs de Lego, souvent, considèrent les autres gammes ou les collectionneurs des autres gammes comme des hérétiques, ce qui n'est pas faux, ma foi. Donc en tout cas pour Orion Pax, voilà à quoi ressemble le petit bricolage à effectuer donc à l'aide de Lego. Et pour Optimus, donc une petite partie seulement. Voilà. Donc qui consiste à réaliser cette petite fabrication. Voilà, rien de trop sorcier pour ceux qui ont des pièces Lego. Je pense que vous pourrez trouver ça sans problème. Voilà. Et donc pour pouvoir positionner toutes ces pièces-là, nous allons devoir passer par une petite chirurgie. Donc pour commencer, nous allons donc ouvrir voilà, ces pièces-là, sortir la matrice. Et vous pouvez constater, alors je vais faire un zoom avec la caméra. Voilà, vous pouvez constater que vous avez donc deux petites vis ici et ici. Voilà, donc à l'aide d'un petit tournevis cruciforme, vous allez pouvoir donc virer ces deux premières vis. Voilà pour la première. Pour la seconde. Ensuite, vous avez une troisième vis qui se trouve juste ici. Donc, idem, on vient la virer. Et quand c'est bon, donc, vous pouvez détacher le backpack qui servira donc pour Optimus. Alors, on peut y replacer tout de suite la matrice du commandement. Refixer ces plaques-là. Ensuite, on va venir sortir, voilà, toute la fixation donc
qui permet le maintien de la tête d'Optimus. Vous allez pouvoir ensuite la fixer sur ces pièces Lego comme ceci. Voilà. Ensuite, nous repassons à Orion Pax. Donc, je vais essayer de de sortir complètement la vis. Donc ensuite, vous pouvez repositionner son chest, sa tête, et à l'aide de cette pièce Lego, que vous aurez donc réalisée au préalable, vous allez pouvoir venir l'inclure dans son dos afin de masquer ce vilain jour. Et voilà donc Orion Pax. Déjà un peu mieux fichu, plus ce gros backpack qui nous ramène les pièces d'Optimus, hein, que je trouvais vraiment franchement très vilain au niveau du dos. Donc voilà pour Orion Pax. Ensuite, donc nous allons pouvoir passer à Optimus. Alors, prenez soin également de conserver les vis pour le jour où vous souhaiterez reconstituer l'ensemble. Donc ensuite, il vous suffit de fixer ces deux tétons au dos de la matrice, juste ici, ce qui doit vous donner donc ce résultat final. Et quand c'est fait, alors je vais prendre un peu de hauteur, voilà, vous n'avez plus qu'à venir placer le tout comme ceci. Et voilà, un Optimus fin prêt. Alors, de dos, voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous le disais, hein, il manque des pièces Lego, malheureusement, pour venir, et Mega Bloc, pour venir donc masquer l'arrière. Mais bon, comme je l'avais dit lors de la précédente revue, en général, on regarde pas, on n'expose pas un Transformer donc de dos, mais de face. Donc voilà ce que ça doit donner en tout cas au niveau du dos. Et grâce à cette opération-là, vous avez à présent, hop là, deux figurines, à savoir Orion Pax et Optimus. Voilà, donc le top pour un display. Bien entendu, pour ceux qui souhaitent réaliser cette manipulation, hein, c'est pas nécessaire, mais moi personnellement j'avais envie d'avoir vraiment les deux figurines ensemble. Orion Pax étant quand même une figurine très rare à trouver en général dans les gammes, il n'en existe que deux à ma connaissance. Donc voilà, là avec pour mon plus grand plaisir, donc j'ai enfin deux figurines bien distinctes. Donc bon, vous pouvez voir ce que ça donne encore une fois avec le backpack, hein. Voilà, c'est quand même plus sympa que ce que ça ne l'était précédemment. Et donc, pour tous ceux qui s'inquiètent un petit peu de savoir s'il est toujours possible de transformer donc Optimus et Orion Pax en véhicule, oui, ça l'est. Malheureusement, vous allez devoir passer par du part-forming, puisqu'il va vous falloir donc à nouveau retirer l'élément du backpack, la tête, et je vous montre. Voilà. Et
et même sans les vis. Voilà, vous pouvez quand même repositionner le tout pour la transformation. Voilà, donc ça nécessite un petit peu de part-forming. Je sais que certains sont réticents à ce genre de manipulation. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et puis bon, bah, comme je vous le répète, ça permet de pouvoir donc avoir Optimus et Orion Pax ensemble. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève mon tuto donc qui vous permettra de pouvoir bénéficier à la fois de la figurine d'Orion Pax et d'Optimus Prime. J'espère que ces explications vous ont été utiles et vous auront donné donc des idées. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. Je remercie encore mon pote Fredo pour m'avoir permis de réaliser ce custom. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures Transformers. Allez, bonne journée les petits amis, gros bisous, bye bye, tchuss. Ouais, bah n'empêche que si Hasbro s'était décidé à proposer à la fois une figurine d'Orion Pax et une figurine d'Optimus Prime, on n'en serait peut-être pas là. Tiens, mais c'est que t'es pas con pour une fois. Oui, ça m'arrive.